L'Europe spatiale s'est concentrée depuis ses débuts sur la conception de lanceurs de plus en plus lourds. De nos jours, Ariane 5 est quasiment 10 fois plus puissante qu'Ariane 1. Mais cela a entraîné un problème. L'Europe dispose certes d'une autonomie pour l'accès à l'espace, mais cette capacité est réservée à de gros satellites. Pour l'envoi depuis petite charge utile, il était nécessaire de lancer sur des lanceurs étrangers. Dans un premier temps, la société StarSem fut créée en 1996 pour faciliter l'envoi de charges utiles moyennes en orbite depuis la Russie sur le lanceur Soyouz. Mais l'ESA souhaitait tout de même avoir son propre lanceur léger. Ce souhait sera également l'opportunité pour un autre pays de revenir sur le devant de la scène des lanceurs spatiaux, à savoir l'Italie. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur le passé étonnamment très rempli, le présent et aussi le futur de Vega, le petit lanceur italien. Bref, assez parlé, commençons sans plus tarder. Si l'on veut réellement comprendre les origines historiques de Vega, il va nous falloir remonter loin dans l'histoire spatiale, très loin, jusque dans les années 50. En effet, parler de Vega, c'est avant tout parler du lanceur américain Scout. En 1957, les soviétiques lancent Sputnik 1 en orbite, le premier satellite artificiel de l'histoire. En fin d'année aux USA, Vanguard est préparé pour le vol et décolle, mais explose au bout de quelques instants. C'est seulement l'année suivante que les USA réussiront une mise en orbite. A partir de là, les États-Unis vont développer toute une gamme de lanceurs allant de Thor à Titan, permettant le lancement de gros satellites militaires ainsi que des premiers vaisseaux habités. Mais il manquait au pays un lanceur léger, pouvant placer de petits satellites de démonstration technologique en orbite basse. Et ce sera le but du lanceur Scout. Ce dernier décolla pour la première fois en 1960 de la base états-unienne de Wallops, en Virginie, mais sera également par la suite lancé depuis les bases de Vandenberg en Californie et de Cap Canaveral en Floride. Et là, vous devez sûrement vous demander le rapport avec l'Italie. Eh bien on y vient. L'Italie, comme plusieurs pays d'Europe, s'est intéressée très vite aux fusées dans les années 40. Après la Seconde Guerre mondiale, là où le Royaume-Uni a dans un premier temps préféré dépendre des lanceurs et missiles américains, et là où la France s'est lancée dans un ambitieux programme de développement de lanceur orbital national, l'Italie a, elle, préféré trouver un compromis entre ces deux solutions. Ainsi, elle souhaite pouvoir lancer des satellites italiens depuis son sol, mais en s'épargnant le développement long et fastidieux d'un nouveau lanceur orbital. Dans un premier temps, l'Italie et les États-Unis, qui voient là une bonne opportunité commerciale, vont étudier plusieurs possibilités, dont celle de lancer depuis la base militaire de Salto di Quirra, en Italie même. Finalement, la solution retenue sera plus exotique puisque Scout décollera d'une plateforme pétrolière reconvertie au large des côtes du Kenya. Étant donné que ça n'est pas le sujet de la vidéo, je ne vais pas m'étaler sur l'histoire de ces vols. Je garde ça pour une autre fois. Il faut tout de même savoir qu'en tout, 9 fusées Scout seront lancées de la plateforme vers l'orbite, avec à bord les premiers satellites italiens. Néanmoins, l'occupation d'une base si lointaine, ainsi que le coût de fabrication du lanceur Scout qui augmente chaque année, obligea l'Italie à stopper les lancements depuis le Kenya. Pendant plusieurs années, l'Italie proposera sans cesse des versions améliorées de Scout avec des boosters, des étages plus grands, le tout étant sans cesse remanié, annulé et refait. En 1979, Ariane 1 effectuera son premier vol, et l'Italie est justement impliquée dans le programme, mais de manière assez discrète. Grâce à l'expérience acquise sur Scout, l'Italie est devenue experte dans la propulsion à poudre. Et c'est donc tout naturellement que les propulseurs d'appoint PAP d'Ariane 3 et 4 seront réalisés en coopération avec l'Italie. Le pays va alors reprendre ses projets de lanceurs Scout améliorés et va un peu jouer aux Lego spatiaux en tentant de mélanger les étages. Une version retiendra particulièrement l'attention de l'Italie, qui réussira même à faire voler un démonstrateur suborbital depuis la base de Salto di Quirra en Sardaigne et qui consiste en un propulseur d'appoint d'Ariane 4, lui-même équipé de 2 propulseurs d'appoint qui sur ce vol n'étaient que des maquettes, propulseurs qui sont conçus et fabriqués en Italie, les Zefiro. Enfin,
le lanceur final aurait dû être équipé des étages supérieurs d'un lanceur scout classique. Bref, un beau bazar. L'Italie décide alors de simplifier tout ça et de tout reprendre à zéro en créant un nouveau projet, appelé Vettore Europeo di Generazione Avanzata, abrégé en Vega. Cette fois, plus question d'utiliser des morceaux de scout américaine ou d'Ariane 3 et 4. Les étages seront complètement nouveaux, même si bien sûr, beaucoup de technologies proviennent de ces anciens lanceurs. Et cette fois, ce lanceur ne sera plus seulement pour l'Italie, mais aussi pour le reste des pays de l'ESA. En effet, l'agence spatiale cherche à créer un lanceur léger. Et oui, depuis que la France a décidé l'arrêt des vols de sa Diamant, l'Europe ne possède qu'un seul lanceur, et qui est lourd, Ariane. Vega est donc adopté par l'ESA en 98 sous la forme d'un lanceur tri-étage, dont les deux premiers sont à propulsion solide. En 99, il est décidé que le lanceur, tout comme Ariane, serait exploité par la société Ariane Espace et lancé depuis la commune de Kourou, en France. Mais voilà, en 2000, c'est la catastrophe. La France refuse de soutenir le projet Vega à l'ESA. L'Italie menace alors de lancer Vega en concurrence d'Ariane Espace, depuis la base brésilienne d'Alcantara, en s'alliant avec le constructeur ukrainien Yuznoy, qui possède une grande expérience aérospatiale, ayant notamment réalisé une partie des lanceurs Energia, Zenit et Dnepr. Finalement, un accord est conclu et les travaux sur Vega peuvent reprendre avec plus d'un an de retard. Ce petit accrochage diplomatique arrêtera toutefois toute participation financière de l'Italie au programme de l'ESA pendant plusieurs mois. Le lanceur a été redéfini et correspond désormais à la forme qu'il a actuellement. Il possède un premier étage dérivé des EAP d'Ariane 5, deux étages supérieurs à poudre Zefiro, réalisés en Italie, et un étage supérieur à ergol liquide dénommé Avum. Propulsé par un RD-869K soviétique puis ukrainien, similaire à celui qui propulse le lanceur Dnepr en orbite. En 2002, il est décidé que Vega sera lancé depuis l'ELA 1, l'ancien pâtir d'Ariane 1, et que le premier étage P80 serait également testé à Kourou, sur le banc d'essai des EAP d'Ariane 5. Les opérations lancement seront effectuées en français et non en italien, depuis la salle Jupiter comme Ariane 5. En juillet 2004, des essais acoustiques sont menés à Colleferro en Italie et à Poitiers en France, avec des maquettes à échelle réduite du futur lanceur. En 2005, les travaux sur l'ancien pâtir d'Europa et d'Ariane 1 commencent. Le premier élément de vol arrive en Guyane et la tuyère du premier étage, en provenance de Bordeaux. Le 30 novembre 2006, l'étage P80 est allumé pour la première fois sur son banc d'essai à Kourou, avec succès. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2010, où une maquette du premier étage P80 sera amenée sur le pâtir rénové pour effectuer des essais de manipulation. En avril 2011, des maquettes des étages supérieurs du lanceur sont également livrées et une fausse campagne de lancement est organisée. C'est la première fois qu'un lanceur Vega arrive sur le pas de tir. C'est en fin d'année que les premiers vrais étages de vol arrivent à Kourou par bateau. L'assemblage du premier lanceur débute, l'apogée de plus de 40 ans de projet pour l'Italie spatiale. Le 19 janvier, la coiffe de Vega VV1 se ferme sur les 9 satellites que le petit lanceur emportera sur son vol inaugural. Le 13 février, c'est le grand jour. Vega se tient sur son pas de tir, prêt à partir vers les étoiles. C'est la première fois depuis 1979 que l'Europe inaugure un tout nouveau lanceur. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, premier étage, décollage. Après plus d'une heure de mission, le vol est un succès, et tous les satellites seront séparés correctement, Vega venant enfin de voler jusqu'en orbite. Il est toutefois à noter que ce vol inaugural n'est pas exploité par Ariane Espace, mais par l'ESA directement, ce qui n'était pas arrivé depuis les trois vols de démonstration d'Ariane 5 à la fin des années 90. Le deuxième vol, lui, tout comme les suivants, sera exploité par Ariane Espace. En 2012, Vega VV2 décollera vers l'orbite avec à bord trois satellites. Le troisième vol, Vega VV3, sera le premier lancement entièrement commercial, en emportant uniquement le satellite kazakh Kazeosat 2. En 2015, Vega effectuera sûrement son vol le plus marquant jusqu'à aujourd'hui. En effet, sous sa coiffe ne se trouve pas un satellite, mais un vaisseau expérimental. Dénommé IXV,
Cet engin doit permettre de préparer les technologies nécessaires à la réalisation d'un vaisseau orbital pouvant être récupéré après son vol. Le 11 février 2015, Vega décolle de son pas de tir. Après plusieurs dizaines de minutes, l'XV est largué sur une trajectoire suborbitale, c'est-à-dire que le vaisseau est sur une trajectoire qui va le faire retourner sur Terre et qu'il n'atteindra pas l'orbite. Après 20 minutes de rentrée atmosphérique, l'XV amerrit sous parachute dans l'océan Pacifique, concluant un vol de plus d'une heure et demie. L'IXV fut certes largué sur une trajectoire suborbitale, mais le quatrième étage de Vega, la VUM, ukrainien, continua à lui sa route en orbite, sans aucun satellite à bord donc. Cette manœuvre avait pour but d'effectuer plusieurs manipulations de test sur l'étage, avant de finalement le désorbiter. En juin 2015, Vega enverra Sentinel 2A en orbite. En fin d'année, le petit lanceur décollera pour une mission inédite, qui consiste en l'envoi d'un démonstrateur technologique dénommé LISA Pathfinder en dehors de l'orbite terrestre. Le but de cette mission est de valider les technologies nécessaires à la réalisation d'un télescope géant chargé de détecter les ondes gravitationnelles. LISA est envoyé en orbite autour du point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil. Si vous ne comprenez pas bien ce que je viens de dire, je vous invite à regarder la vidéo d'AstronoGeek qui aborde justement ces points particuliers des orbites. Le lien est en fiche et en description. En 2016, Arianespace ne pourra lancer que deux Vega. En effet, le constructeur ukrainien Yuznoy, qui fournit le moteur RD-869K du quatrième étage, s'est déclaré en faillite. Et oui, la Russie a stoppé ses achats de lanceurs Zenith fabriqués en Ukraine, et l'entreprise n'a pas résisté à ce manque de revenus. Vega effectua donc ses deux vols, avec à bord du premier Perusat et quatre petits satellites, et à bord du deuxième le satellite Gökturk 1 pour la Turquie. En 2017, trois Vega partiront et emmènera pour son dixième vol le satellite de l'ESA Sentinel 2B. Une grande évolution a lieu cette année. Jusqu'à cette date, c'était Arianespace qui gérait toute la campagne de lancement dès l'arrivée des étages à Kourou. Désormais, le fabricant italien Avio gère toutes les opérations de lancement. Néanmoins, les activités de lancement restent sous la responsabilité d'Arianespace et c'est cette dernière qui donne l'autorisation finale du lancement. On pourrait avoir l'impression que c'est bien mieux pour Avio, mais cela signifie aussi que désormais, c'est le constructeur italien lui-même qui sera responsable des profits et surtout des pertes du lanceur, sans aucune aide d'Arianespace. En 2018, Vega fera deux nouveaux lancements, le premier étant pour le compte de l'ESA, avec un satellite météorologique dénommé Aeolus. Début 2019, Vega emportera le petit satellite italien Prisma en orbite. En juillet, à l'occasion de son 15e vol, Vega décolle une nouvelle fois avec à bord le satellite militaire émirati Falcon Eye 1. Le décollage se passe parfaitement bien, mais après la séparation du premier étage, c'est la douche froide. Trajectoire dégradée du Zephyro 23. Perte de l'accélération. Le lanceur retombera finalement dans l'océan Atlantique, le lancement de VV-15 devenant ainsi le premier échec du lanceur en 15 vols. Ce lancement mettra un coup d'arrêt à tous les autres vols prévus pour le reste de l'année. Après plus d'un mois dans le flou, la commission d'enquête nous apprend que le dôme supérieur du deuxième étage se serait disloqué, la partie supérieure du lanceur se désintégrant ainsi dans l'océan sans avoir atteint l'orbite. Cet échec total, le premier en Europe depuis 2002, sera une catastrophe pour l'Italie. Et oui, c'est ce pays qui est en tort dans cette affaire. Le lancement du satellite Falcon Eye 2, prévu pour décoller quelques mois après VV-15, sera même supprimé. Et le satellite ne partira pas avec une compagnie italienne, mais avec une société française sur Soyuz ST. Le retour en vol de Vega est alors prévu pour mars 2020, mais à cette période, le CNES décide de fermer brutalement le centre spatial guyanais, à quelques jours du décollage suite à l'arrivée de la pandémie de Covid-19 en France. L'objectif de cette fermeture était d'éviter au virus de circuler sur plusieurs continents. En effet, les employés du CSG voyagent souvent de la Russie à la Guyane en passant par l'Europe continentale. De ce fait, Vega VV-16 ne décollera qu'en juillet 2020, soit presque un an après l'échec de VV-15. À bord de ce vol ne se trouvent pas moins de 65 satellites, disposés sur une nouvelle plateforme dénommée SSMS, devant permettre le lancement de plusieurs dizaines de CubeSats. Étant donné la longueur de cette vidéo, elle est découpée en deux parties. La suite de cette même vidéo sortira d'ici une semaine sur cette chaîne et parlera non seulement de l'avenir du lanceur,
mais nous rentrerons également plus en détail sur la technique de Vega et son fonctionnement. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie.